Merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique, voilà une option aujourd'hui prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunité? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis avec la crise du Covid-19, l'Afrique a connu en 2020 sa première récession économique depuis 25 ans. Alors que la relance économique, sur quel axe faut-il agir? Un économiste vous répond dans un instant. Enfin, pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances qui demeure encore aujourd'hui dans certaines sociétés un sujet tabou. Bienvenue donc, si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, s'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est l'une des options aujourd'hui très prisées par de nombreux jeunes en fin de formation. Malheureusement, nombre d'entre eux s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce qui les y attend. Quelles sont donc les filières d'opportunités qui s'offrent aux jeunes? Eh bien, la réponse dans cet élément. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunité. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans, parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Hein? Donc nous avons, nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Oumé est restée là, hein? Inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps, sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les jeunes à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même, on les accompagne pour dire, voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soit respecté à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur. J'ai fait Fonds de solidarité national pour l'emploi. J'ai fait Programme Campus. J'ai fait tout ça. Mais c'est à Programme Campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit, les clients sont prêts. Si vous donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voulais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Et qui dit entrepreneuriat dit forcément économie, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de près de 4% en 2020. C'est une récession de 2,6% qu'a enregistrée l'Afrique, à la base de la crise sanitaire du Covid-19, dont
les impacts ont lourdement frappé évidemment l'Afrique. Barthélémy Senou, économiste, nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies d'un continent qui se révèle de plus en plus comme une terre d'opportunités. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison, tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise, le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, et aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire, leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Un, nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction donc, ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient. Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation donc, des dépenses publiques. C'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres et qui puissent permettre donc, d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. Et pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des axes préconisés par les objectifs du développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Et justement, dans les pays en voie de développement, comme le Bénin, le problème de contrôle des naissances se pose avec acuité. Référence ainsi faite à certains indicateurs. Alessandra Diotan aborde le sujet dans l'élément que nous allons suivre avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est que c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre ça, c'est les barrières socioculturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelle en arabe asl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception.
aux côtés de ses leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la situation par âge de nos pays, en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Merci à vous, Alessandra Diotan, pour toutes ces précisions. Hors de nos frontières à présent, la fermeture des frontières et les restrictions sanitaires ont plongé Marrakech dans une crise sans précédent. Pilier de l'économie marocaine, les recettes du secteur touristique ont chuté de 65% jusqu'au début de l'année 2021. Les détails dans cet élément. L'effervescence de la place Jama Alfna. Ses musiciens, ses conteurs et même ses charmeurs de serpents. Mais ça, c'était avant l'épidémie Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, l'emblématique esplanade a laissé place à un quasi-silence. Aujourd'hui, les artistes m'ont dit dans les souks, s'ils nous laissaient travailler, nous ne serions pas dans le besoin. En 2019, 3 millions de touristes se sont pressés vers la cité ocre. Mais au-delà de Marrakech, au Maroc, le tourisme est un pilier de l'économie. C'est 7,5 milliards d'euros de recettes chaque année, soit 7% du PIB. Mais en cette année 2021, la baisse est considérable, moins 65%. La fermeture des frontières aériennes et les restrictions sanitaires portent un sérieux coup au secteur. Mars. Le 15 mars 2020, nous sommes à l'arrêt. Nous ne savons pas quoi faire. Depuis cette date, nous attendons la reprise du travail, mais on n'en voit pas le bout. Le Royaume a récemment allégé les restrictions sanitaires en réduisant les horaires du couvre-feu nocturne, ce qui permet aux restaurants de travailler le soir. En revanche, aucune nouvelle sur l'ouverture des frontières, ni sur la reprise des vols spéciaux, suspendus jusqu'au 10 juin prochain. Et c'est là tout, et c'est tout pour cette édition, j'allais dire. Retrouvez-moi ce soir 19h45, mais en attendant, vous pouvez re-suivre cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.